Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour vos messages de la semaine du 7 au 13 mars. Alors pour vous les Sagittaires, pour cette semaine du 7 au 13 mars, votre énergie principale c'est le valet de denier. Donc le valet de denier signifie qu'il y a l'émergence d'un changement. Le premier pas qui vous permet d'évoluer vers une situation nouvelle. Peut-être de mettre en place un projet ou des projets. En tout cas c'est le début d'une nouvelle aventure pour vous, les Sagittaires. Vous êtes certainement en ce moment dans une période un peu de solitude, vous êtes triste, une peine de cœur, une perte d'emploi. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'arrête ou qui s'est arrêté. Il y a quelque chose qui devait en tout cas s'arrêter, qui ne pouvait plus continuer. Alors, ce n'est pas quelque chose qui arrive brutalement, c'est certainement quelque chose qui traînait depuis un petit moment. Il y a vraiment besoin de prendre du recul face à cet événement qui est difficile et reprendre votre marche en avant. Ce bouleversement ou ces bouleversements peuvent parfois permettre d'envisager les choses sous un autre angle et vous offrir l'opportunité de grandir et d'évoluer, les Sagittaires. J'ai l'impression que malgré vos efforts, y a quelque chose qui n'a pas marché ou quelque chose qui ne marche pas. C'est pour ça que ça s'arrête. Il y a certainement des obstacles qui se sont accumulés, des objectifs qui s'éloignent ou quelqu'un qui s'éloigne, je ne sais pas. Vous êtes fatigué psychologiquement, vous êtes épuisé. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer pour vous les Sagittaires. Vous êtes peut-être isolé, vous êtes plein de doutes, vous vivez certainement mal cette situation. Il va falloir faire le calme dans votre esprit pour déterminer un plan d'action, pour pouvoir aller vers la nouveauté, d'accepter de transformer la perception de cette situation. Vous vous sentez peut-être piégé, coincé, mais vous ne l'êtes pas, les Sagittaires. Bien évidemment, on est découragé, on est épuisé. Il ne faut pas écouter vos peurs. Il ne faut pas écouter vos doutes. Il faut opter pour une vision de la vie plus optimiste, pour vous projeter plus sereinement, reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vos capacités, les Sagittaires. Il va falloir peut-être accepter d'ouvrir son cœur, de laisser émerger ses sentiments, communiquer. Vous avez certainement les émotions à vif. Alors ça peut être une prise de conscience aussi. Vous avez pris conscience de quelque chose qui n'allait pas, donc vous y mettez un terme. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas fuir vos émotions. Il faut les exprimer, ces émotions. Ne les mettez pas de côté, surtout pas de côté. Vous devez vraiment rééquilibrer la situation des Sagittaires. Mais encore une fois, n'oubliez pas que l'énergie principale de votre semaine, c'est le valet de denier. Donc, si vous êtes déjà dans cette situation, vous allez commencer à en sortir. Il y a vraiment un changement. Le début de quelque chose, c'est le tout début, c'est tout nouveau. Mais il y a vraiment, encore une fois, l'émergence d'un changement pour vous, les Sagittaires. Je vais encore tirer une carte pour vous, les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Semaine du 7 au 13 mars, pour les Sagittaires. Sagittaires. Ne vous découragez pas les Sagittaires, vous allez y arriver. Vous allez vous sortir de cette situation pénible. D'ailleurs, vous y êtes presque. Allez. Pour les Sagittaires. On demande avec cette carte d'amener la paix en vous, de cultiver cette paix de l'intérieur. Et pour y parvenir, il faut faire l'inverse de ce que vous faites là maintenant. C'est-à-dire qu'il faut respirer, il faut s'apaiser et arrêter de s'inquiéter, les Sagittaires. Lâchez-vous un peu la grappe. Cultivez la paix en vous. Voilà les Sagittaires. À bientôt !